Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Spéciale édition, côté que nous prenons dans Zin, dans Manhattan. Spéciale édition, ça, côté que nous prenons le temps de, pendant un bon bout de temps, interview Madame Dominique Dupuy-Tebay à équipe Matin Débat. Côté Madame Dominique Dupuy, tu as parlé concernant voyage et une capacité délégation haïtienne dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies. Nous allons attendre avec moi, mettez-nous prêts pour nous attendre ensemble. Et bien, qui ça, Madame Dominique Dupuy a dit, eh bien, dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies avec Monsieur Martin de Bayo. En attendant, eh bien, après ça, n'a pas tourné. Mesdames et messieurs. Salut César, bonjour Louko Désir, même s'il n'est pas avec nous dans le studio. Bonjour Vladimir Galette et puis tout technicien autour qui a fait nous bien passer ce matin. Je suis content dans matin débat, première fois avec nous. Même si je suis senti que son ambiance que toujours vivre des écrans, mais qu'on y a vraiment comprendre pour qu'il ça toujours une énergie dans l'émission. Ça vraiment un bail spécial dans l'espace. Je suis content avec nous. Donc, qui côté me sorti? Je suis au Cap, qui côté mié, on y a un Port-au-Prince dans le ministère des Affaires étrangères avec le ministère haïtien vivant à l'étranger. Je pense que faut nous faire une émission peut-être 3-4 heures de temps pour me raconter nous qui route, qui n'est pas au courant, qui mène là. Mais en gros, je pense que c'est une question de philosophie, parce que depuis petit, je suis toujours entouré de monde qui apprennent moins que faut nous servir pays. Hein. Qui apprennent moins que c'est celle qui nous gagne et c'est celle nous qui l'a tout pour nous défendre. Et je toujours essayé de vivre en gens pour me placer tête moins dans des situations côté que tout ça m'a fait et abouti à intérêt public, si je dis le comme ça. Donc, en gros, c'est comme ça que je dis que ma théorie dans le poste ministériel, ça m'a très honoré le premier ministre intérêt, l'aime pour proposer une position ça. Et l'aime qui a accepté les aïe, il faut me dire, je connais l'étape difficile. Je connais Chayla Tape Loum, je connais que. Et chantier au tap en pile même t'es senti que m'tap gen une équipe autour de moi d'ailleurs dans salle là m'a salué chef cabinet qui avait m'cap accompagner m'jodi a et on est que nous à la hauteur de l'ambition que nous gagnons pour réforme que nous voulons mener avec pour changement nous voulons porter mais li pas facile mais nous pas faire bac on fait bac nous pas faire bac ou sorti non tourné qui pral men nan Nations Unies, n'a pas directement dans point ça qui c'est fin hier de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Haïti a fait bon visage selon plus d'un. Maintenant, et malgré toute critique qui t'a gagné sous toile là, nous rappelons nous ensemble de problèmes qui t'est posé entre la primature, la présidence, est-ce que problème il y en avait et est-ce que problème et ça yo t'a gagné avec le ministère Affaires étrangères et la mission permanente des Nations Unies qui salté exactement la vérité dans tout ça, madame la ministre. La vérité, Zahim, très content de parler avec nous aujourd'hui hein, pour nous clarifier. Tu as un peu de bruit pour des contre-vérités qui ont circulé. Et nous connaissons, je ne veux dire, toute société haïtienne est infectée avec des informations, avec fake qui ont circulé et puis avec des gens qui ont intérêt à créer des histoires qui sont basées sur des inventions. La réalité, hein, c'est que pas de problème sous participation haïtienne. Nan. T'es toujours gagné une seule délégation haïtienne présidée par son excellence le président du conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc et t'es toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle là, participation premier ministre là et participation ministre affaires étrangères là. Schéma ça pas un schéma qui est unique à Haïti, il y a en pile délégation que nous croiser qui gagne même schéma côté soit en président soit en roi là accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates dans et délégation pour prendre part à commission yo. Ça t'est clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes comme ministère affaires étrangères nous t'ai communiqué le bas Nations Unies, c'est pour ça accréditation était faite en fonction de communication ça, badge président Leblanc t'est paré en même temps badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre là avant de quitter territoire là t'ai circulé en note, on communiqué côté que l'était annoncé que l'a quitté pays hein, pour participer dans l'assemblée générale là dans cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda
participation te bâti à travers compilation et agenda respectif yo que MAE vin joine MAE circule agenda sa ba toi entité yo lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti te gagne. Je nous connais là. Donc tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait, tu gagne. Et la mission permanente. Non seulement premier ministre l'a rencontré avec président avant les partis pour regarder agenda respectif yo comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous et aspect logistique là qui réunit dans villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU t'es même voyagé dans quatre déclarations patrimoine li vinn fè nous arrangé nous pour li voyager en avant pour li font réunion physiquement dans villa d'accueil en présence chef cabinet la présidence en présence conseiller diplomatique président Leblanc en présence responsable institution et international MAE en présence primature donc coordination t'es faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées c'est sa vérité aïe mais effectivement Esaïe vinn gen hic si m ka di l comme ça mais hic là et me pense que faut nous kembe nous regard nous sous et vrai interlocuteur là hic là sorti sous parti américaine là et m'a tout saluer ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout temps là sorti sous bon pa yo ça m ka partager avec nous c'est que nan délégation qui fait là ou a remarqué que tu gagne deux moun qui utilisait titre présidentiel là c'est-à-dire que au gain président Leblanc et au gain président Voltaire qui participait dans délégation là nous même nous communiquer information ça est-ce que le nom de Voltaire monsieur Voltaire était déjà là avant même dans communication que nous voyons le 5 septembre non il était déjà là dedans et ça qui vient réaliser hein, c'est que américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème là nous pas gain souci parce que comme ministère affaires étrangères, nous en communication avec département d'État, OK? Et avec et des structures autonomes. Secret Service lui-même l'a agi de façon autonome quant à courtoisie que il doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certain niveau tant que premier ministre là. Dans certains cas ministère affaires étrangères là bénéficier tout de détails Secret Service là. Nous-même nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, nous pas penser l'idée nécessaire, nous tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, nous pas besoin autonome. Donc nous pas demander pour moi-même, nous demander automatiquement pour le chef de délégation et yo estimer que premier ministre là tu dois bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça crive yo. Communication allé yo vin apprendre nous que système yo vin pas ka comprendre structure exécutif pas nous côté yo gen deux présidents donc système non c'est pas un monde qui a opéré li si on bagaille c'est un logiciel peut-être que yo gen yo seulement exit li donc yo obligé vin faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vin gen de problème non pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen son structure unique que nous gen nous-mêmes que États-Unis reconnaître que États-Unis appuyer et donc que États-Unis doit accommoder mais toute manœuvre ça prend temps ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquer là dans le parti haïtien mais que américain on prend vraiment au sérieux et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans territoire paio que résultat a débouché sur non seulement mais à culpa public mais sur une mise à disposition de toute courtoisie que était toujours voulait accorder président Leblanc et que les bénéficiaient de eux donc c'est pour me dire que il n'y a pas il y avait pas d'histoire. Il y a eu un problème de système d'absorption d'informations du côté au niveau des Américains. Au niveau des Américains, ils l'ont reconnu. Maintenant, si on voulait faire nous croire que un problème, bon PAM, bon pas MAE, c'est pour détourner le regard d'autres questions que peut-être ils n'ont pas aborder. Détourner attention population sur vrai problème. Population pour occuper les esprits avec des histoires inventées et des diversions. Même qu'on est surtout dans matin débat, nous plus intelligents que ça et surtout nous plus focus. Et sous ça qui est important, et sous substance là. Madame la ministre, c'est bien parce qu'on peut éclaircissement, côté problème, dans côté hic, là, pour me répéter, soit dit en sortie, c'est bon côté les États-Unis d'Amérique. Mais et parallèlement, pas boy site en Haïti, et go paquet moun tout qui wel a un mauvais jeu, parce qu'on se dit à l'heure, m'a répété littéralement, t'es toujours gagné une seule délégation en ce qui concerne Haïti. Et si t'es bon, t'es toujours gagné une seule délégation pour Haïti, qui ça qui explique que. Le premier ministre et le président le coordonnateur du conseil présidentiel yo pas déplacé ensemble yo déplacé séparément c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal par exemple moi même si c'est pas m'espère n'a pas un petit temps pour nous parler de ça et moi t'es quand même allé en vent
Moi arrivé 2 jours avant premier ministre là. On était en tournée européenne, tu aimerais bien expliquer nous peut-être ça me beauté de tourner ça parce oui. que me beaucoup parler avec personne depuis que me tourner. Monica Terry me commencer préparer visite là. Premier ministre arrivé 2 jours plus tard et président t'est prévu pour arriver le lendemain ou le surlendemain. C'est tout à fait normal que selon degré autorité délégation hein, ou ka aller en advance Jean Odil là. Pas c'est pas un signal de désharmonie du tout. Que le ministre des Affaires étrangères là rentré en vendant une pièce pour l'assurer toute bagaille en forme pour accueillir justement sommité. Vous comprenez le ministre des Affaires étrangères là, même pas comprendre pour le ministre là avec le président. Bon, me dit comme ça. Bon, me dit le président. Écoute, Jean Jolan, agenda ça, Jean, où elle était doué déployer, malgré encore une fois, oui. c'est un agenda qui bâti en harmonie avec le président lui-même et puis pour le ministre là. Il était d'accord que. Peut-être ça l'important pour me dire c'est que assemblée générale là il y a des moments forts qui des moments statutaires pour Nations Unies hein, okay? OK mais qui ça assemblée générale là est vraiment c'est un moment de communion unique dans année et calendrier là côté que plus passé 190 pays pral réunis avec officiels yo et c'est ça bon opportunité de créer des points de convergence de rencontrer des monde quand on t'a pas obligé voyager pendant des heures. Elles font paquet et démarches pour qu'elles aient accès à eux et subitement tout le monde est réuni. Pour le Premier ministre, il est important que la participation reste à hauteur de coopération que lui-même a un plaidoyer pour le poter. Le président lui-même a un plaidoyer pour le poter dans un espace statutaire tout qui peut commencer. Il était là pour le prévu, pour le prendre et Jean le fait là, rencontrer le secrétaire général là. Malheureusement, il a raté rendez-vous ça. Okay. Mais il a parlé sous podium là, Jean ça était toujours prévu et Jean ça c'est Wall chef délégation. Il était gagné l'autre bilatéral tout, m'a quitté. Faut nous connaître que président et New York toujours, m'a quitté le faire bilan, il prend le fond pour une presse à retour, il m'a quitté le faire bilan lui-même de réussite délégation. Réussite délégation. Mais c'est parce que me gêtais nous garder nous c'est ça le cas voilà. Pas de souci alors font tirer tu me garder les ailes bon puis vous me garder caméra mais garder caméra c'est ça limpi bon le alors c'est mon nous oui mon a fait mon et haïtien vivant à l'étranger c'est eux qui dit mais fait ministre ouais nous garder nous en face garder nous mais pas face avec nous pas de souci allez-y et harmonie ça, je pense que si nous prenons le temps pour nous réaliser justement le fait que nous t'es arrivé et monté un agenda complémentaire face à l'urgence, parce que on nous font un bac. Qui ça qui, pour qui ça est important pour Haïti de même participer à l'Assemblée générale la journée aujourd'hui? Parce qu'il y a une urgence nationale, nous t'es dit, faut ni président, ni premier ministre, ni moi-même, faut nous t'acheter à Haïti pour nous gérer le ministère, faire année fiscale, faut nous t'avoir à. Et gérer l'urgence nationale. Yo. Mais qui est-ce qui est la réalité? On nous prend 2010 comme point de repère. Son date qui est gravée dans la mémoire tout haïtien et qui représente un point et vraiment sombre dans l'histoire et contemporaine. Pas nous. Okay. Nous perdu presque 300 000 personnes en quelques secondes et nous avons géré le traumatisme jusqu'à présent. Mais, Esaï, qui est-ce qui vit aujourd'hui d'après vous? Je dis à n'ap viv 12 millions moun k'ap mouri piti. Ouais. N'ap viv une tragédie, c'est pas un goudou k'a senti, mais nan destruction, nan impact li en termes de crise profonde, li comparable si li pa pire parce que c'est nous tout k'ap mouri piti, que ça k'ap mouri la peur, que ça k'ap mouri grand goût, que ça k'ap mouri parce que pa ka joine yo l'hôpital, yo pa ka rive nan l'hôpital, que ça k'ap mouri parce que désespéré, que ça k'ap mouri parce que yo prend bateau pour yo jambé et puis yo coulé. Donc nous avons vivre en mort lente de toute population haïtienne et pour la première fois. Et il y a monde pa nou yo qui là-bas qui vivent une situation enragée qui ont besoin venir dans pays. Et pour la première fois même gens avec tremblement de terre là, c'est pour ça moi que gon comparaison que nous ka bâti sous lit, personne pa épanier. Moi même tare mon monde dit journée jodi a que gen des monde qui senti yo en sécurité, yo bien, crise là pas concerné yo journée jodi a dans pays a. Et lors d'un moment comme ça, côté que tout le monde a bord même bateau, en même temps, ou qu'a dénoncé douleur que ça provoquait, en même temps, faut ouvrir tant qu'on opportunité. Parce que pour la première fois, ou qu'a mobilisé tout le monde autour d'un changement et d'une transformation. Donc c'est dans le contexte ça que nous prenons décision pour nous participer dans 79e assemblée générale là. Et pour nous porter voix de l'urgence, pour nous porter voix de tout ça nous besoin pour que notre réussite transition.
signal participation collective là ton signal fort et positif. Kounia yo ka vle virer le temps qu'on bagaille qui crée un problème. Mais signal participation à toutes les échelles là, c'est un bel éventail pour montrer que toutes les composantes de la transition présent et yo vle faire même plaidoyer parce que le premier ministre prend la parole, c'est même sa président dit que l'a répété. Il ka rentrer dans plus détails techniques pour dire combien policiers côté police a fait opération, combien moun qui déplacé président lui-même, li ont ti jangon débat. Puis élevé, puis politique, puis stratégique. Cool. Mais ce sont des discours complémentaires et des discours qui se renforcent l'un et l'autre. Et c'est beauté décision, participation collective là, à la hauteur de l'urgence que nous gagnons, que nous devons souligner. Parce que, t'es allé plus loin, qui ça qui réussit journée aujourd'hui, participation haïtienne, qui bilan nous a tiré? C'est là que nous arrivé avec vous, bilan et quid du bilan et de la participation d'Haïti à cette 79e et Assemblée générale des Nations Unies et qui ça Haïti joine et qui ça n'a cherché et qui ça ne joine. On fait dit et Gladimir ça m'a respecté parole président Cap Vini dans quelques jours pour qu'il fait point de presse parler mais ça me pral dit c'est pour qui ça pour nous aller nous assembler comme ça et pour qui ça que président rete jusqu'à présent m'a dit nous il y a des bilatéraux de très haut niveau que le pral gagner dans les prochains jours moi même avec fonction ministre m'a obligé venir faire mes exercices fiscaux là donc m'a obligé rentrer pour me joindre jour ouvrable là et baromètre là pour me pas faire bilan m'a dit qui ça qui baromètre là c'est le nous déplacer qui ça déplacer après le faire pour 600 000 moun qui déplacer interne journée jodi dans pays d'Haïti. Qui sa participation sa pral bay pour moitié population haïtienne nan kap dormi van vide le soir? Qui sa pral bay pour jeune femme 14 ans kap infecté avec VIH parce que yo subi viol? Qui sa pral bay pour ti moun nan zone la kay mwen nan ti bouk o boyn ki poko jemwe courant a zye yo, ki poko jemwe lumière? Qui sa pral bay pour moitié gang yo que nous suspecté ki te ka de ti moun ki ta ka dans l'âge pour y aller l'école? Qui ça pral pote pour yo? Donc c'est ça baromètre participation. Hein. C'est pas tout bruit qu'on veut que vous voulez causer autour de qui est-ce qui t'a allé, comment t'a allé, qui ça t'a fait, mais c'est qui plaidoyer nous t'a porter ensemble. Et pour me dire moi-même, dans parti PAM, dans réunion que moi j'ai honneur pour participer dans yo, soit à côté président, soit à côté premier ministre là, et souvent à côté les deux, ça moi c'est que nous déjà qu'a annoncé une réussite. On réussit non seulement à travers un discours courageux que le président a prononcé, un discours qui recevait un pile applaudissement dans l'Assemblée générale là. Il faut le dire. Un discours côté que li campé non seulement et ambiguïté qu'au ka gen dignité ou ka campé tête droite mais on ka dit tout m'a besoin qu'on vienne corrim. C'est pas parce que m'pa ka faire pour compte moi, c'est pas parce que Haïti pa ka réussir transition pour compte li, mais c'est parce que si nous ensemble nous ka réussir le plus bien plus vite et gen urgence. Et gen urgence et faut nous rappeler tout m'tap kouté là sous matin débat et intervention qui t'est venue juste avant maintenant, c'est pas charité n'a demandé. C'est ça nous t'est fait que nous vienne dit faire pour nous tout. Mais malheureusement pour nous non contexte côté gen plus passé 60 crises dans le monde qui a monopolisé attention communauté internationale là et des crises qui mieux articulées que nous. Combat nous gagnons son combat de discours justement, son combat de joindre moun tant qu'au président, tant qu'au premier ministre, tant qu'au tout l'autre ministre gouvernement qui ka joindre partenaire nous pour articuler situation à vivre là. C'est pas parce que moun yo pa vle aider nous, c'est parce que yo pa comprendre un, est-ce que nous gon plan? Bonne réponse transition ça c'est que pour la première fois mon gouvernement de transition qui publie une feuille de route. Moi même t'ai dans réunion avec président Lula, deux yeux aussi qu'on s'alise, oh, nous gon feuille de route. Voyez pour nous, c'est ça nous tapton. Ça pas t'empêcher que m't'aller Brésil en vent et que l'homme t'est parlé de feuille de route là, il t'était déjà dit nous a doubler coopération. Doubler coopération. Il a débloqué des soutiens militaires en faveur de l'armée que m'tourner avec eux, équipement que nous t'ai besoin pour que nous camener combat. Il a aidé nous dans et chantier électoral là que nous besoin. D'ailleurs, nous gagné haïtien qui a parti le 5 octobre pour observer élection et brésilienne locale yo et tout des brésiliens cap tourner pour former même CEP en tout ça c'est des coopérations concrètes que nous joignons dans Brésil mais plus que ça l'arrivé où on parle avec un président du poids et de l'envergure du président Lula et que il saisit ouais que pour une fois au podium plein d'action côté que lui-même il ca ouais identifier côté le Gavin Correo ça veut dire que n'a font bagaille bien ça veut dire que nous ca corré encore un appui qui pas un appui acquis parce que tout le monde a fait face à des crises. Guerre que n'a mené sur le champ diplomatique journée jodi a c'est une guerre d'articulation. L'organe des président Zelensky
depuis attaque yo commencé en bas mais la Russie monsieur pas jamais chita pour qui ça le pas chita ou te ka dit mi a attaqué le fol chita en Ukraine pour la li même li prend zam non li connaissait pas zam nan ki guerre lan seulement c'est guerre diplomatique lan tout c'est al déplacer tout côté al parler dans sénat al rencontrer tout partenaire yo c'est occuper espace physique lan côté que partenaire yo ka incorporer sens de l'urgence que li même li senti dans pays nous même c'est même démarche lan que nous lancer depuis me prend fonction malé Paraguay mal rencontrer toute OEA nous lançons signal fort après plusieurs mois côté Haïti était bébé Haïti pas t'a parler de problème encore nous tellement boumé entre nous nous penser que combat c'est entre nous pour le fait combat c'est avec l'autre crise pour le fait avec l'international pour nous dire vienne corré nous autour d'un agenda commun nous réussi ça que c'était inimaginable qui c'est accord 3 avril là côté tout le monde mettait tête d'accord pour une transition pacifique qu'on y a fois nous livrer sous transition ça autour de l'élection hein. Pour une fois, après combien d'années, nous avons CEP qui montait 7 membres sur 9 qui rendent fonctionnels et nous espérons 2 membres à rejoindre bientôt. Pour tes messages, ça, dans Paraguay, dans OEA, c'était la première étape. Nous allons à CARICOM dans le sommet, nous pour tes mêmes messages là. Nous allons à Washington, dans le Conseil de sécurité, dans New York. Nous allons en Europe, arriver à Madrid, aller au Royaume-Uni, passer Bruxelles. Qui ça a créé pour aboutir plus récemment dans l'Assemblée générale là? C'est que nous tendons feedback là. Yo di nou pour la première fois yo comprendre démarche Haïti a faire. Pour la première fois yo wè ki bon yo ka améliorer contribution. Pour la première fois yo wè tout ki bon ça a faire pap marcher parce que li pas cohérent avec besoin actuel nou. Parce que des fois blanc international là, li décider mais ça l'a voyer pour. M'tande monsieur a t'a dit ça en vente, la bon sac duri. M'pa di pa gen grand goût. Mais je t'a dit hein, on projet agro-industriel pi important que sac duri hein. Et surtout gen des fois obligé faire le en même temps parce que grand goût à l'immédiat on pas ka di moun nan ki pral dormi 20 vide là ton projet a on 12 millions bravo non ou ka bay sak duri on pas ka camper là parce que sinon on a toujours nos dépendance sak duri et ça par exemple nous a dit partenaire yo c'est que nous a l'approcher yo avec des aspects innovants de qui gens yo ka corré nous pour dégager des portefeuilles que nous pour que gens m'a bénéficier interlocuteur en vente a parlé de USAID nous gen des réunion et m'ta ka di presque tout côté me passé me rencontrer avec un représentant USAID qui vient culminer dans l'assemblée générale là en bilatéral que nous fait. Yon nan pi gros chantier nous va le faire avec USAID que nous mandé yo et corré nous et que yon gen expertise là et que ouvert à faire li, c'est sous contrôle frontière là pour contrebande. Chaque année Haïti perdu 400 à 600 millions de dollars sous contrebande qui a rentré à travers frontière là parce que nous pas une capacité de gérer li. C'est USAID li même qui produit rapport là. Li produit rapport là et puis il rale l'école. Nous dit yo, est-ce que nous gen capacité aider nous? Yo dit nous oui. Brésil gen tap mete men, Mexique gen tap mete men. Brésil gen 10 frontières. Yo c'est expert dans gestion frontière. Okay. Mexique gon frontière qu'on connaît avec un envergure frontière ça avec États-Unis. Yo dit nous y a vinn pote kore. N'a prêté dans bilatéral là, n'a prêté dans bilatéral, pas oublier ce qu'on dit et sur question bilatérale que nous rien eux, divers et bilatéral que nous rien que président a continué et reste. Maintenant, la République dominicaine parce que là nous sommes aux États-Unis. La République dominicaine impliquée, il est là-dedans. Donc, en pile, vous voyez mon texte fait sur la question implication dominicaine de la République dominicaine dans les Nations Unies. Et comme quoi l'armée dominicaine te gagne pour venir à Haïti. Parce que nous avons besoin pour éclaircir, pour Haïti éclaircir ça pour nous. Tout à fait. Pour PIA, parce que PIA, une équipe qui a emmerdé l'esprit de Mounio, non radot comme quoi. Et soldats, vous voyez soldats dominicains ici, éclaircir pour la population. Et puis deuxièmement, et madame la ministre, et ces discours, et, monsieur Leblanc, sous différents paramètres qui gagnent en discours, et monsieur Leblanc, et président Leblanc, et comment nous-mêmes nous approcher. Alors, pour me finir, première idée, hein, oui. Pour qui ça me parlait de contrebande, non? C'est parce que. Gestion crise ça, gestion transition ça a pas qu'à baser seulement sur la gestion de l'urgence. Et lors qu'a capté 400 600 millions de dollars que on a perdu chaque année, ça sont on avance durable pour faire peut-être pas pour autosuffisance. Ça veut dire jodi a besoin 600 millions de dollars pour MSS. Non, un an on va rentrer 600 millions de dollars si c'est priorité ou tout financer MSS ou pour compte. Si c'est rebâtir l'hôpital, si c'est rebâtir l'école ou café, ça veut dire l'argent ça sont l'argent qui a évaporé. Et que nous ca capter c'est pour montrer comment que nous avons engagé partenaire nous différemment c'est pas dire ben nous plus sac duri c'est dire aidez-nous gérer comme pas nous pour que nous autosuffisants pour que nous ca faire projet nous maintenant pour me river sous clarification ça me très content faire
Nous gain et privilège pour nous gain en bilatéral d'ailleurs, c'était une occasion côté CPT a été présent, Primature était présent, MAE était présent côté nous rencontrer président Ruto qui sont évidemment un partenaire important pour nous Kounia qui lui-même tout fait preuve d'un pile courage, lui engager le politiquement pour porter Corée Haïti dans un moment et côté que nous avons besoin appui MSS là. Nous clarifier que gon problème de syntaxe dans Jean-Libati tweet là. Sou gade bien, il dit que li content rencontrer avec président Abinader qui promet que li pral continuer engagement dans cadre soutien que a ba évacuation médicale que pays El Salvador a fourni nous. Et entre deux lignes qui sont structure et syntaxe que utilisé dans en anglais, il dit incluant les troupes qui vont augmenter et donc li continue phrase li. Mais li même la parlé de troupes pâles. Et te vle di nou que nous pral gen yon communication officielle comme MAE jodi a pour nous clarifier pendant nous pral communiquer sur réunion avec Ruto on a tout profité clarifier que ni pour la partie dominicaine ni pour la partie haïtienne ni pour la partie kenyane il n'y a absolument aucun doute qu'il n'est pas question de présence de troupes dominicaines sur le territoire haïtien ni de participation de troupes dominicaines dans MSS appui ou après te sous territoire payo n'ont accueilli et policiers MSS qui blessés et bio soins de santé et d'ailleurs il a déjà commencé parce que il y a eu déjà des cas d'évacuation. Li pap aller plus loin et li pa nan projet pour li aller plus loin et que ça soit clair. Okay. OK. Madame la ministre, avec mondialisation journée jeudi, a pas aucune société, pas aucun pays, pas aucun peuple qui ka avancer sans support yon l'autre et c'est bien pour que Jean Soutabdilan ou nous gouvernement li entre dans guerre dialectique c'est-à-dire si t'as parlé au contre et me pas veut pour ouais nous veut rester dans dominicaine là donc pas Haïti pas jamais gain bilatéral pendant Nations Unies avec la dominicaine alors faut me dire je voulais que président okay. fait bilan okay. toute réunion qu'il fait je moi pas insister à part pour me clarifier sur Ruto me pas veut que c'est moi-même qui fait bilan mission et présidentielle là toute réunion qui concernait et délégation okay. a gagné un bilan qui a bien joué nous à travers point de presse là. Très bien. Alors d'après dit et mais entamer une guerre dialectique, chita rencontrer partenaires internationaux etc., c'est bien. Et mais je ne jodi a problème Haïti ou en pile, mais problème qui pour moi même toujours dit là d'ailleurs dans ma débat qui puis urgent nécessité une solution urgente dans moment c'est problème insécurité à ça c'est point de vue pas moi maintenant sous problème insécurité à madame la ministre justement et gon paquet c'est cette même communauté internationale ou du moins son parti dans communauté internationale ça qui te dit que c'est haïtien pour résoudre problème que y a confronté à est-ce que gouvernement optimiste quant à appui et communauté internationale la compte tenu de son paquet de parti j'aime se dire te dit et par rapport avec crise que Haïti a connu aujourd'hui. Très bon point et Latimien. Merci. Moi-même dans faire de route PAM sécurité hein, c'est lui-même qui fil conducteur là. C'est colonne vertébrale toute action que m'a mené parce que nous comprenons que nous gagne pile priorité qu'a conjuguer en même temps, priorité humanitaire, priorité électorale, mais priorité sécurité là sont conditions sine qua non pour que tous les deux ca camper. Faut nous attaquer en même temps mais nous pas doit jamais quitter sécurité pour un deuxième plan. Plan d'action que nous avons déployé non seulement à travers MSS là, mais à travers plaidoyer, c'est un plan d'action qui centré autour du leadership haïtien. Si nous comprenons bien, MSS n'est pas là pour créer des conditions sécuritaires, il vient pour corriger l'effort que la police nationale avec l'armée d'Haïti a déployé. Donc nous tout à fait dans une appropriation de effort, appropriation de tout ça qui doit être déployé pour que nous arrivions à des conditions sécuritaires et c'est ça que m'a dit et m'a permis de parler dans non li que qui occupait et priorité dans l'agenda premier ministre là et certainement qui t'ai fait partie de plaidoyer que c'est président Leblanc porté par l'ONU ça nous ouais c'est que on regagne crédibilité pour que on monde choisi allons dire que ou dit là albata avou pour me choisir albata avou faut me croire dans bataille ou pas le mener et faut me croire tout que là nous river sous terrain ou même ou pas courir ou déguerpi ou aller pour quitter pour compte moi alors que me pas même compte pour qui ça m'a bataille là crédibilité c'est clé pour solidarité à manifester
Et ça nous ouais que gouvernement ça avec conseil présidentiel là a bénéficié à travers plaidoyer que nous portons, c'est que nous bénéficier d'un regain de crédibilité. Message que n'a porté depuis plus que 100 jours qu'on y a, li rivé dans oreilles moun yo, yo accepté li. Si me ka permettre mon exception expression yo acheté li, ça veut dire que qu'on y a gien volonté de renforcer participation. La preuve est simple. Lor gade et fonds pour financement MSS là, certes nous t'arrêmer que li aller plus vite, mais nous wè progression depuis installation gouvernement. Nous wè que la continue à augmenter. Nan réunion qui fait ça comme c'est pas bilatéral, ma yote public gen et communiqué de presse qui sorti, nous wè que Canada, Premier ministre Trudeau et Premier ministre et koni organisé en réunion ECOSOC côté que remobiliser des acteurs qui prennent des engagements très forts dans réunion. Secrétaire d'État Blinken avec président Leblanc avec Premier ministre koni organisé en session côté que on parler avec tout acteur qui impliqué dans MSS là et nous tendez là des engagements forts notamment avec les États-Unis. 160 millions de dollars additionnels, nous gagne des partenaires qui pral participer, Union européenne pral doubler participation li. Donc il y a un élan vers une participation plus conséquente, mais ça n'est pas l'objectif haïtien. L'objectif haïtien son renforcement de capacité. Pas nous. C'est pour ça la police a pour écouter, a former. C'est pour ça le mal est Brésil. Mon bagage qui n'a déjà coûté moins que me content, c'est que Brésil va former 400 policiers. Que moi-même, nous, ouais, son bagage qui durable qui a prêté pour nous. Parce que MSS, c'est un an s'il renouvelé. Nous gagnons un an jusqu'à fin 2025. Yeah. Est-ce que nous investi dans un modèle qui va durable? Investissement, c'est à la fois dans le Corée urgent que nous besoin à travers MSS, mais c'est surtout à travers ça qui a prêté pour nous. Corée police là, former l'armée, il y a pour recruter dans l'armée, il y a pour recruter dans police, il y a pour former yo, bay yo équipement, acheter équipement, nous même avec propre moyen nous l'état ici a acheté équipement tout, gen sa ka ban nous équipement, Brésil a aidé nous et Mexique promet nous gen des partenaires qui a voyer des équipements pour nous et gouvernement a recevoir un hélicoptère m'quoi d'ici semaine prochaine. Mais n'a pas investi tout pour que capacité arrête souveraine. Mais toute promesse là, il y a pas bon deadline qui est au caractère. Tout à fait. Si nous voulons, ça c'est des documents que nous avons partagé avec nous. Okay. Et ce sont des engagements qui pris dans des tranches de temps bien déterminées et que cap matérialisé et très graduellement. Nous ouais couvrons déjà et non annonce juste pour finir sur réunion Blinken. Non annonce qui prend yo, il y a un pays qui insistait pour dire nous. Ça n'a pas annoncé là, il est déjà dans le compte en banque là parce que nous pas de l'année fiscale là fini, okay. Sans nous pas livrer. On y a ministre finance là qui a beau plus de détails parce que nous avons une visibilité sur le compte. Ça va. Alors, okay. Changement MSS là, en mission de la PA, et est-ce que nous pensons que c'est une bonne idée ou bien et comment ça y est Président Leblanc a annoncé dans le discours où tu attendais que Haïti recevra favorablement et possibilité ça. Et faut nous comprendre que et c'est une décision que m'estimer pour gouvernement haïtien avec pour conseil présidentiel là qui sont et décision réfléchie côté que nous parler avec tout partenaire nous qui impliqué dans MSS là pour nous font évaluation de viabilité MSS là face à progression li et puis face à besoin que n'a gagné le mandat libre à l'expirer en fin 2025. Okay. Et journée jodi à langage qui a circulé dans résolution qui a adopté le 30 septembre non, c'est non seulement de renouveler mandat MSS là pour un an donc jusqu'à octobre 2025, mais à la fin de résolution ça dernier paragraphe lundi explorer la possibilité de convertir MSS à la fin de l'année 2025 là, en mission de maintien de la paix, okay. En vue de consolider les acquis obtenus par MSS. Donc c'est vraiment c'est juste pour c'est une porte ouverte pour au besoin qu'a permettre nous après MSS nous taprons panne de fond et puis nous perdu acquis nous pas qu'à consolider. Okay. Mais pour l'instant le langage qui circule c'est vraiment une porte ouverte sur la possibilité à la fin de l'année 2025 et à ceci Haïti, officiellement par la voix du président Leblanc, est adhéré à principe de mettre paragraphe ça et de explorer possibilité ça. Okay. Parfait. Et bien avant la 79e Assemblée générale des Nations Unies, il y a un dossier qui a fait la une et tout le monde a parlé de lui, ses affaires des propos racistes et justement le président Leblanc a tenté ou bien essayé de répondre. Et candidat ou bien ancien président de la Chambre. Ça ne fait mention de nom. Justement, yeah. Oui, et ça fait me dit tenter. Ça fait me dit tenter. Alors, c'est vrai que ministère des Affaires étrangères a été sorti en communiqué sur ça, mais ils ont communiqué selon plus d'un. Ministère des Affaires haïtien vivant à l'étranger.
ministère haïtien vivant à l'étranger. Pas de problème, pas de danger. Yeah. Et selon pile monde, communiquer ça, il pas suffit. Comment ministère des haïtiens vivant à l'étranger compter justement accompagner compatriotes yo qui jusqu'à matin m'a parlé aux amis qui dit mon petit monde qui ont l'autre petit monde FUCKING va permettre moi pas répéter moi Black Monkey. Maintenant comment qui support comment compter accompagner patriotes par rapport avec ça que déclaration ça l'a fait et comme suite. Alors merci Vladimir ou m'a tap souri tout à l'heure parce que m'étais pas sur t'es pas parler d'acte d'indépendance là. Mais sujet ça pas matière à sourire du tout donc m'a excusé parce que l'autre dit qu'il t'a fait la une même commencer sourire parce que c'est une nouvelle. Situation qui a développé dans la communauté ça extrêmement alarmant et nous te prenons au sérieux depuis première fois à propos au fait nous organiser c'est pas en communiquer nous languer communiquer c'est pour faire part de action que nous prenons. OK. Action c'était organiser on brasser l'idée avec plus passer 50 organisations particulièrement ça qui impliqué dans zone avoisinante Springfield là pour nous coûter parce que comment ministère là à partir de Port-au-Prince qu'a dit après un événement alarmant qui non seulement insulté, affecté mais bouleversé tout toute communauté haïtienne quel que soit côté propos ça yo affecté dans identité ou dans nom mais pour nous ka réagir comme ministère c'est pas nous pas un plan d'action qui était non tiwa pour nous dire leur propos ça yo a prononcé mais comment nous va le déployer tel dispositif. Première étape là c'était aller à l'écoute de monde qui souterrain et de monde qui ka ban nous yo même qui gens yo pensé pour nous ta doué accompagner yo. Ça c'était premier bagage là. Deuxième bagage là c'est que li conforter nous dans une décision que nous t'ai prend depuis l'heure et yo t'ai ban portefeuille ministériel ça qui c'est que pour l'instant pendant m'a parlé avec nous hein ministère haïtien vivant à l'étranger existe son seul côté Port-au-Prince. C'est premier bagage que nous t'ai saisi. Donc l'homme parle avec premier ministre me dit il faut qu'on ait que dans plan d'action ministère haïtien vivant à l'étranger pas exister à travers toute poste consulaire que nous gagnons côté que nous gagnons plus passer 100 000 haïtiens qui vivent. Et ça, malheureusement, nous pas de déployer immédiatement. Faut nous tenir un nouveau exercice fiscal là, nous budgétiser li. Si nous gardons nos feuilles de route que ministère haïtien vivant à l'étranger gagne li écrit, déployer un dispositif à travers les postes consulaires et gon protocole d'entente qui pral signer entre deux ministères pour permettre que MAV ka bénéficier de MAE tout côté le joine col dans le monde. Pour qui ça? Comment ministère ka à côté en communauté s'il Port-au-Prince? Nous faisons zoom non, c'est ça nous te gagne comme comme outil. Mais qui s'oblige à faire en contrepartie? Mobiliser consulat Chicago qui c'est lui-même qui desservit et communauté ça. Moi rencontré avec chargé d'affaires là pendant nous New York, il déplacé, il vient nous-même. Nous font réunion de travail pour nous évaluer justement comment la pas accompagner, qui sorte de demande qu'a vienne joindre, qui ça les café qui puis bien pour que qui moyen les besoin tout en termes de ressources humaines, en termes de mobilité pour que les cas aller plus près problème là. Sa réunion ça fait. Nous gain personnel MAV qui pral déployer. On pas besoin expliquer nous problème visa, nous gagne un petit retard dans réactivité nous ta souhaité, n'attendre que recevoir visa yo pour que personnel Mavlan lui-même déplacer physiquement pour la côté communauté. Mais entre-temps, on ka comprendre frustration compatriote nous yo que tu as peut-être souhaité ouais plus pi vite. D'accord et certainement me font exercice d'empathie côté que si m'étais là comme maman petite pour m'a vivre situation de stress ça m'ta apprécier on corrige qui pi visible. Même pas venir nous minimiser que position haïtienne nan salteye par ma voix non seulement par le biais de communiquer mais par le biais de d'autres et canaux que m'utiliser d'ailleurs qui viennent publier dans Washington et Post après c'est que nous verbaliser indignation nous et ça et gen même CPT qui fait président Fell sous podium Nations Unies moi Fell sous compte Twitter pam moi Fell avec interlocuteur moi et du côté du département d'état le rencontrer yo en comprenant que ça sont nuance que nous devons faire comme ministre affaires étrangères interlocuteur moi c'est administration pays côté que nous gain relation diplomatique là propos ça au pas tenu par administration donc m'obliger toujours à kembe chapeau ministre haïtien vivant à l'étranger parce que c'est pas gouvernement américain qui kembe propos ça yo c'est un monde qui non dynamique électorale et donc faut nous-mêmes positionner tête nous pour que nous pas fait et pour que nous pas attaquer un gouvernement qui pour l'instant fait preuve au contraire de solidarité face à propos ça yo donc nous pral continuer action nous
Nous pral continuer verbaliser indignation nous, nous pral continuer mobiliser tout moyen que nous gagnons encore une fois à travers un accompagnement physique Mavlan, à travers accompagnement continu consulat parce que pour nous-mêmes, c'est pas seulement communauté ça, c'est tracer un exemple pour dire que l'heure s'arriver, nous-mêmes n'a camper à côté communauté là. Et m'a tout souligner parce que son point qui est important au-delà de ça qui a passé Springfield. Attaque ça sur humanité, sur dignité, sur appartenance nous dans des espaces côté nous pour contribuer pour nous bâtir des communautés. Il fait tout côté. Il peut-être pas une plateforme politique de attaque que n'a ouais dans Springfield là. Mais attaque ça yo compatriotes nous avons subi tout côté ont installé. Et moi-même yon bagay comme te dit premier ministre là en plus que déployer dispositif là, c'est que MAV pas seulement un ministère qui est au service de diaspora qui a réussi hein. Diaspora qui voulait contribuer politiquement, économiquement, classe moyenne haïtienne ça qui trouvait à l'étranger que nous besoin. Diaspora tout, c'est pour compatriotes nous yo qui sait des haïtiens pareils nous qui c'est diaspora tant que l'autre yo mais qui invisibilisé qui humilié qui pas gain point de repère qui pas gain droit à document d'identification pour que yo ka participer et c'est pour ça nous pral livrer des cartes de dialogue là dans toute poste consulaire yo c'est pour ça que nous pral accélérer livraison passeport yo nous déjà commencé nous va aller en pile retard dans livraison passeport là même si MAE pas gain pour dans livraison passeport mais c'est à travers nous même service là offri c'est intérieur qui offre li nous travaille main en main avec finance intérieur MAE pour nous avancer presque 6 mois retard que nous te gagné et nous a continuer livrer service ça qui bail compatriotes nous accès à dignité donc MAV avancer on comprend frustration compatriotes nous parce que l'ita qualité doit avancer plus vite mais n'a privé et n'a privé main en main avec yo tout côté que yo que c'est dans Springfield avec tout quatre coins de la planète là côté que nous compatriotes haïtiens et pendant parler sous point ça m'a venu gros problème qu'on s'est posé notamment en République dominicaine madame la ministre mais m'a font tirer sous cause Springfield là toujours et vous saute dit tout à l'heure m'a répété que gouvernement les détacher les désapprouver déclaration ça donc voilà pourquoi nous gon n'a mené action yo avec une certaine restriction si me ka dire comme ça mais cependant communauté haïtienne surtout dans Springfield besoin nous fait sentir que nous ensemble avec yo par exemple il y a un silence total m'ta capable dit bon du gouvernement dans média m'ta capable dit américain yo par exemple nous fait silence net nous pas accordé aucune entrevue avec Talon sur cité Washington Post et gon paquet l'autre mais sous ça sous dossier ça même et gouvernement et réagit dans la presse américaine pour clarifier Washington Post là c'est un article qui sorti sous ça même c'est okay. Pas moi même qui écrit lui mais côté que cité justement prise de position est-ce que c'est gouvernement prise de position okay. Mais question moi même voulais poser et Vladimir qui est important t'as posé oui m'a posé au lit super même on allait c'est que lorsque on gagne plus haute autorité hein, qui c'est pour l'instant le président Leblanc qui allait sous podium puis grand plateforme mondiale là pour le dénoncer fait ça gouvernement lui-même c'est pas prise de parole là qui va le corriger ça nous pour nous faire qu'on a agi sous position que nous prenons qui sont position d'indignation et position de solidarité avec compatriotes nous c'est sous ça n'avancer m'pa croire que si demain nous font op-ed ou bien nous alchita dans CNN ça va rassurer compatriotes yo parce que Haïti déjà prononcé tête li Haïti prononcé tête li par voix et MAV par voix président qu'on y a c'est agi et dans action nous va renforcer toute capacité que nous gagnons qui pour l'instant j'aime dire là gagne des contraintes pour que nous ca accompagner à hauteur de attente pa yo et rester surtout en dialogue avec eux pour que accompagnement ça à la hauteur de ça yo besoin dans circonstances que y a vivre en première ligne. OK, cause passeport sous poser là madame la ministre li la cause bon pas même dit passeport m'a dit document d'identité même on cadre dermalogue par exemple bon paquet de compatriotes République dominicaine qui gagne difficulté pour faire yo et ça cause justement bon on veut quoi qu'autant de comment autorité dominicaine qu'on a rapatrié déporté au même dans des conditions inhumaines maintenant et on saute parler de et permettre que haïtien qui à l'étranger gagne les documents d'identité qui pour bon et cetera mais c'est qu'il est à quand parole ça va dire la concrétiser merci Isaïe. Réalité livraison service à travers poste consulaire là, il est déjà acté. Quoi c'est 26 septembre que ont commencé premier an.
et son bagage qui va le déployer graduellement gagner poste consulaire qui déjà hier okay. Et qui déjà pral et qui déjà bénéficié excusez-moi nous gagner poste consulaire qui bail d'ailleurs de New York hier New York bail et faut nous systématiser pour c'est pas ou gagne chance au New York ou joindre ni sous Santiago ou pas ca joindre ni ça n'a fait c'est déployer pour que tout graduellement et bonne nouvelle là c'est que nous joignent financement pour assurer nous que nous pas gagne des contraintes qui lié à en capacité et financière de mener projet à terme. Donc nous pral livrer dans toute poste consulaire côté que haïtien qu'a référé au journée aujourd'hui, on pas ca promettre que n'a pral aller au-delà de ça à travers mobile que idéalement nous ta ca va faire, même pas pral font promesse que pour l'instant nous pas gon prévision budgétaire pour lui, mais le déploiement à travers toute mission diplomatique ça a pour réalité dans les prochains mois. Okay. Là t'as le bon besoin d'air bon plus probablement dernière question au ministre t'as dû aller oui non mais n'a vu n'a pas sous tourner pour nous conclure sous tourner et ministre t'es fait en Europe et puis après ça nous n'a pris 5 questions et bon côté haïtien qui vivent à l'étranger parfait alors c'est n'a pas du sous même problème et déportation massive et dans conditions inhumaines et des haïtiens en République dominicaine la République dominicaine pardon comme état souverain les libre pour li appliquer politique migratoire qui propre à li ça m'a pas de problème avec ça mais cependant dans façon que a déporté haïtien yo est-ce que MAV ou bien ministère affaires étrangères plutôt pas ta capable de développer et ta capable dire si on accord qui fait déjà et pour empêcher que haïtiens yo déporté yo nan condition ça des conditions inhumaines indignes et puis on peut conclure avec tournée nous pas ouais que et pour ma part nous font pari qui sont pari que nous pas prêter silencieux sous traitement que haïtien subi qui indigne quel que soit côté taillé mais pour que nous portons solution dans territoire souverain qui pas nous ça mandé construction dialogue et mécanisme diplomatique et m'a demandé nous seulement pour que nous comprennent que tout mécanisme ça yo pas ka fait de façon et visible à chaque étape mais que son effort et son engagement continu que premier ministre lui-même li prend que nous senti à travers CPT en tout et que moi même m'a mené tous les jours moi gon correspondance et quotidienne avec chargé d'affaires nous en Santo Domingo si gon mission côté me connaît ça qu'a fait chaque heure de temps c'est mission ça nous en dialogue permanent moi gen en conscience absolue de urgence que nous gagne pour agir particulièrement sous ça on a parlé de déportation mais étudiants yo tout et me fier pour me dire nous tout que malgré m'paka non premier temps ben nous détails sur étape par étape qu'a développé a nous pral wè en amélioration sous ka étudiant yo et nous pral certainement wè en amélioration sous bon pas nous sous capacité que nous pral déployer à travers 5 missions diplomatiques que nous gagnons l'autre bord parce que avant nous mandé yo faire pi bien faut nous même tout nous commencer faire pi bien côté nous y et tout et travail ça l'a fait me connaît que leur gain urgence chaque jour son jour de trop mais son dossier aussi sensible historiquement c'est pas moi même qui fait le compliqué pas mon enfant qui fait le compliqué c'est depuis la nuit son dossier extrêmement compliqué et il est difficile de dire que tout va bien que tout va aller bien mais ça me ca dit nous et me pas jamais dit l'avant ça me ca dit nous c'est que pral gain des améliorations parce que pral gain des prédispositions des deux parties pour que ça allait mieux parce que là son scénario perdant correct ok mes amis.